Ok la famille, on vient d'arriver sur la manif. Quelques petites galères ce matin. Compliqué de les rattraper, mais on est là. Donc queue de cortège. Je vous laisse arriver, je vous laisse partager. Salut la famille, je sais pas si vous m'entendez bien. Salut les gars, salut la famille, salut les amis, salut les gilets jaunes, salut les citoyens. Voilà, tant bien que mal, on a fini par arriver sur la manif. Compliqué ce matin, les choses ont eu du mal à s'emboîter. Donc là, on est derrière les barbares, tapeurs de pompiers, frappeurs de citoyens, les copains, les beaux gosses. Ceux qui crèvent les yeux, la police nous protège. Regardez s'ils sont pas mignons, à les accompagner. Bien sûr, toujours pas de RIO. Bon alors, salut à tous la famille, je sais pas si vous m'entendez bien. Tunnel Porte Dauphine, Porte des Ternes. Il y a du bruit, il y a du gilet jaune. On est là, on est bien. Salut la famille, ça va? Ça va la jeunesse ou pas? Bonne app. Ça va? Voilà, acte 49, Paris. Toujours du monde. Salut à tout le monde, salut à toute la France. Salut. N'hésitez pas à partager, qu'il y ait un maximum de monde qui voit ça. Ça va, papy? Ah, ça va. T'as l'air fatigué. Ça va? Ça va, toi? Super, et toi? Bon. C'est bon les tunnels hein. Ce monsieur est énorme. Alors j'ai fait une petite vidéo sur la GoPro en arrivant sur la manif. Je suis arrivé un peu en retard donc j'étais en avant. J'ai été signalé par les flics et les flics de liaison sont venus me rejoindre. Et il fallait qu'il m'escorte. Ça va, tonton? Et toi? Ouais, ça va? Ouais, je suis content de te voir. Ça fait plaisir. Ça va, Fanny? Ouais, terrible, hein? Ouais, c'est bon, ça! On lâche rien, on prépare le 16 novembre, le 17 novembre. On prépare le dossier. Ça va bien? 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 Ça va? Merci, merci. Et faut pas lâcher, hein. Je suis professeur de sociologie et je suis le mouvement de le départ. Je peux vous faire un travail chrétien quand vous avez un peu un moment. Ouais. Quand un entretien pour? Pour ma recherche sociologique. Travail, oui, oui. Ouais. Le travail que j'ai publié pas mal sur le mouvement. Vas-y, je vais te donner ça. Ça c'est la partie blanche. Je suis professeur en Rome et je suis le mouvement depuis le début. Italie? Vous êtes italien? Non, non, grec. Grec? Grec. Voilà. D'accord. Bah, je vous enverrai un mail. Parce que c'est... Oui, voilà. D'accord. Vous avez la possibilité. Parce que comme je suis en ligne, là, je vais pas vous donner mon mail, mais je vous enverrai un mail avec votre carte. Très bien. Comme ça, vous me direz. Vous n'oublierez pas? Non, pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Merci à toi. Merci. Vous avez une maladie. Ah, salut Jérôme. Ça va, tonton ou quoi? Ah,
Putain, t'es partout avec tes pancartes. Hein. Attends, lui, c'est ma star. Ça va la famille ou quoi? Tranquille ou quoi? Tu vas bien? Tu rigoles ou quoi? On lâche pas, on n'est pas des moutons. On est pas non. On nous traite de moutons. On est les meilleurs. On est là. Déclaré, on est là. C'est ça. Tous les samedis, j'en ai pas loupé. Tiens, aide papy là, prends une petite photo. J'habite Charles, j'en ai pas loupé une. Prends en deux, hein. Prends en deux. Tu en prends deux, il a dit. Avec Jérôme. Et tous les gilets jaunes. Merci, tonton. Ça va, à toi. Et toi? La forme ou quoi? Bravo, bravo. Bravo à toi, mon ami. On s'est arrêté pour toi. Hein. Ouais, j'espère, j'ai cavalé tout le parc. Ça fait une heure, je suis arrivé un peu plus en haut, tu vois. Ah, c'est bien, bravo. Ouais. Merci. Ça va, l'ami? Bon, voilà, on est sur la manif, ça fait plaisir. On va vous montrer la ganache un petit peu. Voilà, on est là. Julien Assange, demain soir on part en bus. Non, j'ai ouais j'ai des petits rendez-vous personnels. Je sais que j'en ai parlé avec Fly. Il est là Fly, je l'ai pas vu. Avec nous par la pensée. Et vous partez à Londres demain, c'est ça? Oui, demain soir. Oui. Pour le soutenir. Ouais, voilà. Mais il est où là? Il y a deux bus. Bah là, il y a une vidéo qui tourne avec Maxime et Juan, ils étaient tout, ils disent tout. Mais là il est encore en prison, là il est. Ouais. Mais on va au tribunal lundi devant le. Ça va tonton? On va le soutenir lundi. Bah courage à vous, mais je peux pas être de partout non plus, ouais, tu vois. Mais c'est bien, t'inquiète. Sinon, je demande à ma mère qu'elle fasse un jumeau, mais Macron, il va saigner du nez. Un clone. Dis-moi. Dis-moi toi. Vous avez écrit une motion avec Priscilla. Où c'est qu'on peut la trouver, cette motion? Laquelle? Je sais pas, tu sais, pour la DAR. T'étais pas. Ça me parle pas, là. Non. Parce qu'apparemment, Fly Rider et Ludovski, elles ont écrit une motion qui a été refusée par la DAR. Ça te dit rien? Non. Mais je vais demander. Si je vois Fly, je demanderai. Il m'a dit qu'il était là, je l'ai vu hier soir, il m'a dit qu'il était là quoi. Ah bah je vais essayer de prendre. J'aimerais bien la prouver la motion. Bah je vais lui demander, je te dirai à ce moment-là. Barbare. Comme toujours, je t'ai vu là-haut. Comment tu vas? Très bien. Et je serai toujours là. C'est tout ce que je peux faire. C'est déjà pas mal. Ouais. Hein? Je suis de côté, là, ça va. Ça va bien? Et toi, la forme? Bah oui. Excusez-moi, les gars. Tu vas bien? J'aime bien quand t'es là. Ça fait plaisir. Qui c'est? Attends. Ah bah mon frère, quand ils auront enlevé le masque du clavier, on saura. Est-ce que leur masque à eux, c'est le clavier? Est-ce que ce matin... Ouais, t'inquiète pas. Jérôme, est-ce que ce matin... Ça, tu vois, au pire, c'est que derrière le clavier, quoi. Est-ce que ce matin, on te dit qu'on t'aime? Ouais, ça m'arrive. Eh bien, on te répète, on t'aime. Non, il y a des gens. Il y a toujours... Le jour, il y a un mec qui est venu me casser les couilles et je me suis retrouvé avec 20 mètres autour de moi à me protéger. Je le connais même pas. Nous, on est les gilets jaunes de l'enfer. Ouais. Merci, tonton, c'est gentil, en tout cas. Ton prénom? Amar, merci, Amar. Oui, Mao, laisse-moi parler avec Amar. Tu dis pas bonjour. Allez, vas-y, c'est bon, putain, à tous les acquis, en fait. Ouais, ça, excuse-moi, lâche-moi. Oui, dis donc. Comment tu vas? La forme? Les SMS, t'as envoyé? Ouais, attends. Allez. Mao, ah, deux bah minutes. Non, c'est pas possible, mon frère. Je viens d'arriver, laisse-moi deux minutes. Attends, je vais t'écrire le mien, tu vas m'envoyer un SMS, frère. Parce que là, je suis en live, je peux pas le noter. C'est bon, vas-y tonton. Alors. Ouais tonton, bah envoie-moi un SMS avec ton blaze, Amar. Ouais. Bah alors. Attends papy, tout à l'heure, quand on va s'arrêter, on va en prendre une tout à l'heure, d'accord? Je viendrai te voir. L'année prochaine. Mais l'année prochaine de quoi? On s'y enverra peut-être pas jusque là. Dis-moi papa. Ah il a pas branché. Bon les gars, j'espère que ça va tout le monde. Donc en direct de la manif à Paris, ça va là? Tranquille? Bien ou bien? Bon, arrête de dire vous, tu m'as pris pour quelqu'un d'important ou quoi? Vas-y Jérôme. D'accord, tu... Ah, nickel. Merci la famille, prenez soin de vous. Pas de soucis Amar, je te remercie. Hein. Merci beaucoup. Tonton, il n'y a pas de problème, je fais juste un petit live pour parler avec les copains, après j'arrive.
Voilà, le temps de dire bonjour à tous les copains présents sur la manif. Vous redonnez le bonjour à vous. N'hésitez pas à partager, voilà, un petit live là rapide pour le retour aux affaires. Faire une petite suite au live d'hier si vous avez eu la chance de pouvoir y assister ou d'avoir pu le regarder. Donc sur la page officielle. Donc voilà, Gilets jaunes toujours présents à Paris, toujours en train de tenir le terrain, toujours les mêmes, ça va? La forme ou bien? Voilà, donc ça ressemble peut-être pas à Barcelone les gars, mais un jour ou l'autre on y viendra. On est patient, le français prend son temps, le citoyen prend son temps, mais on va y arriver. Qui est toujours là. Je sais que tu le vois pas, mais lui, tu le vois pas non plus. Bah, si sur ma droite, je le vois pas. Non, mais toi, tu le vois pas non plus. Là, tu le vois. Viens, lui fais une blague. Juste là, je lui fais une blague, je lui mets les mains devant les yeux. Ça va, papa? Ça va, Jérôme? Et toi? Bien. Parce que l'autre jour, je me suis fait une déconne comme ça. Je me dis, tiens, imagine ma fille, elle arrive, elle a juste à mettre une main comme ça. Elle me dit, c'est qui? Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas bien? La forme? Ah, excuse-moi. Putain. Bon, ça va, papa? Toujours là, hein? Toujours, à moi. Bon, ça se passe? On lâche rien. Ça se passe? Ouais, ça se passe. Hey, j'ai appris un truc là. J'ai eu un aveugle au téléphone cette semaine, un gilet jaune de Belgique. Et je savais pas ça. Mais apparemment, sur les téléphones, t'as des applis qui te lisent des messages, Ça, je savais pas que ça. Enfin, au pire, tu pourrais t'en douter si tu réfléchis 5 minutes. Non, mais on a des applis. Le premier qui a sorti ça, c'est iPhone. Hein. C'est iPhone? C'est Apple, ouais. Ouais, bon. Mais c'est bien, ça lit bien, je veux dire, ça fait pas une voix de robot, le truc. Non. Bah, ça, j'aime bien lire, moi. J'ai énormément de livres, mais tu lis en braille. Non. Non. Pas, je connais pas le braille. Ah, tu connais pas le braille, t'es obligé de te faire lire les choses. Bah, tu sais, ça m'est arrivé à 65, 60 ans. Ah, t'es devenu aveugle à 60 ans. Ouais, c'est le cadeau de la retraite. Au moment de la retraite? Ouais. Putain. Ça va, non? Et justement, c'est trop tard pour apprendre le braille. Ouais. Mais ça n'empêche pas que je lis beaucoup, j'achète des bouquins sur internet. Et des liseuses au final, c'est des liseuses. Ah ouais, mais. Ça va, tonton? C'est vachement bien lu, hein. C'est ouais. Bien lu, il y a les ponctuations, il y a tout. Excuse-moi. Bien lu, hein. Tiens, viens. Tiens, viens, après de venir. Oh! Comment est-ce? Oui, bien. Oui, bien. Oui, bien. C'est tout. C'est vachement. Ma femme, il faut continuer. Il y a intérêt, hein. On va pas lâcher. Regarde, ça c'est des copains. Qu'est-ce que vous avez? Chiliens. Oui, ça je sais, mais c'était. Oh. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi t'as perdu un œil? À cause des événements en Chili. Voilà, ça ce sont des gens qui sont combattus Pinochet. Voilà. Et le monsieur que vous voyez sur votre gauche, il y a Paco c'est... Non. Pinochet. Non, mais Paco. Ton prénom? Thiago. Hector. Hector et Carlos. Il n'y avait pas un Paco? Bon, Hector et Carlos. Hector, il a perdu son œil quand il a combattu Pinochet au Chili. Et maintenant, on combat Macron. Et maintenant, ils combattent Macron. Donc ça, c'est voilà. Des gens, ils ont le combat dans les veines. Voilà. Voilà. Et ce monsieur a perdu un œil aussi. C'est la voyez, même lutte. La même lutte. La liberté. Voilà. C'est ça pour qui est bon. Liberté. Bon, ça va, les gars? Ouais. Bon. Je vais aller voir les copains devant. Bon, tonton, ouais, tu prends soin de toi. Y a pas de problème. Bon, allez, à plus tard, les gars. À plus tard. Ça va, Babi? Oui. La forme et toi? Oui, c'est tranquille? Ouais. Putain, heureusement que t'es venu. Pourquoi? Bon, on s'est dit. Non, j'ai galéré ce matin. Les matins, tu te lèves, les choses, ils ont du mal à s'emboîter, tu sais. Ouais. T'as une galère, enfin une mini galère, une mini galère, donc tu te mets en retard. Ouais. Bon, là, pourtant, on est là. Jérôme, t'as pas d'infos là pour la défense? Non. Il y en a qui sont à la défense ou pas? Ah, je sais pas. Je peux pas te dire. Pourquoi on bloque là? On fait une pause. Ah, on fait une pause. Salut Jérôme. Ça va? Ouais. On fait une pause. Salut Jérôme. Ça va, tonton? La forme ou quoi? J'ai longtemps que je t'avais pas croisé. Si, on s'est vu il y a 2-3 samedis, non? Ouais. Ah bon, ça, je t'ai manqué autant que ça. Ouais. Ça va, mon frère? Ça va ou quoi? Ouais, toi. Tranquille?
Je me suis garé à place Kroening. Là, là, j'ai vu place Kroening, j'ai pris place Kroening, je me suis garé à place Kroening. En arrivant. Ça va, mon grand ? Ça va, neiger. En arrivant. Bon, il y a deux flics qui me reconnaissent au rond-point, tout de suite ça prend le talkie-walkie, machin, bidule. Et après, il y a des flics de liaison, ils arrivent. Ah, monsieur Rodriguez, bonjour, machin. J'ai dit, ils sont où ? Ah, ils sont là-bas et tout. Je dis, ah, mais ils me disent, je dis, bon, bah j'y vais. Il me dit, ouais, à 300 mètres, donc je commence à y aller. Et puis là, je vois les deux flics qui sont derrière moi, il me dit, on est obligé de vous accompagner. Sérieux ? Donc ils nous ont accompagnés sur quelques centaines de mètres. Après, quand, quand on a commencé à vous rejoindre, ils m'ont dit, bon, bah on vous laisse là, monsieur Rodriguez. N'importe quoi. Tu sais, ceux qui gèrent la liaison, le mec. Le mec, il a une grande barbe. Ouais, je vois qui c'est. Et il me dit quoi ? Il me dit, oh, on m'appelle Rodriguez dans le service parce qu'on me confond avec vous. Ah, faut qu'il se la rase, hein. T'étais impérial sur le pont. Bon, la famille, voilà. Bah, donc, je reviendrai vers vous dans l'après-midi pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Merci à tous les soutiens. Je vois Toulouse, Aix-en-Provence, toute la France, la Belgique. Je peux passer donc, un truc, là, s'il te plaît. Tu veux quoi ? Ah, je crois que tu voulais du feu. Est-ce que Valentin a bien été mis en garde à vue ? Parce qu'on m'a dit qu'il s'est fait choper à la gare arrivée à Rouen. Moi, j'ai vu Fauzi qui m'a dit je vois Valentin arriver en voiture. Ah bon ? Ouais. Là, juste avant d'arriver à la Roumanie, j'ai eu Fauzi au téléphone. Il était à la gare Saint-Lazare ce matin. Et arrivé là-bas, il aurait été arrêté. Ouais, c'est ce qu'il s'est dit. Hein. C'est bah attends, je vais appeler Fauzi. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation s'il est libre ? Si vous avez entendu, apparemment, Valentin, l'homme au chapeau de cow-boy bleu, blanc, rouge, se serait fait arrêter à Rouen, placé en garde à vue. Donc, si quelqu'un a des informations. Ouais, une information. En tout cas, si c'est le cas, soutiens-lui. Voilà la famille. Bah, je vous fais un petit bisou. Je vous laisse le temps de discuter avec 2-3 copains sur la manif. Puis je reviendrai vous voir dans l'après-midi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. On lâche rien, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard.